Mon rêve, c'est d'ouvrir un bureau européen pour un journal que j'aime énormément en ligne, qui s'appelle The Atlantic. Okay. Et ils font des sujets vraiment de fond, c'est des articles très longs. C'est pas du clickbait, jamais du clickbait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, au niveau européen, ça manque vraiment de journalisme pan-européen et vraiment comparatif aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on vit dans une union politique où il y a très peu de compréhension de ce que vivent les autres peuples et vraiment de ce qui importe. Par exemple, je sais pas moi, en Roumanie, en Estonie, en Slovaquie, en Slovénie. Enfin, quand on lit l'Europe à travers la presse, on lit surtout la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, peut-être un peu l'Espagne. On ne lit pas le reste des pays. Et surtout en Europe, je pense que c'est quelque chose qui manque. Donc voilà, mon rêve, c'est de travailler pour The Atlantic, d'ouvrir un bureau européen, d'avoir des journalistes dans tous les pays européens et d'avoir non seulement une analyse plus politique, mais aussi assez régulièrement des numéros spécifiques où on compare un certain sujet dans tous les pays européens, mais de façon très presque académique, mais aussi en simplifiant d'une certaine façon pour une lecture plus générale. Ok. C'est mon rêve.